L'association de propriétaires de pharmacies de la RDC, APROFACO, a déposé ce mardi à l'Assemblée nationale un mémorandum adressé à Vital Kamerhe pour solliciter son accompagnement afin d'obtenir un cadre de concertation avec le ministre provincial de la Santé qui a donné un moratoire d'un mois aux pharmaciens afin de se conformer à la loi sur les conditions d'octroi des autorisations d'ouverture et fonctionnement des établissements pharmaceutiques à Kinshasa. Dans leur mémorandum, l'association des propriétaires des pharmacies de la République démocratique du Congo dit non au moratoire du ministre provincial de la Santé, à la loi coloniale sur le fonctionnement des pharmacies en RDC, mais aussi à la chasse à l'homme dont il a initié en complicité avec la COREP. Il convient de relever que n'eût été l'intervention d'un privé dans ce domaine, le pays serait en difficulté de répondre aux besoins de l'époque, et actuellement l'histoire s'est répétée en ce que jusqu'à présent, les pharmacies publiques n'existent pas au pays. 97% des établissements pharmaceutiques actuellement sont détenus par le privé et arrivent à soulager la demande en médicaments qui se fait ressentir dans les quartiers, dans les communes et au travers toutes les villes du pays. Rappelons que la Profaco reste cependant ouverte au dialogue pour la réglementation du secteur pharmaceutique en RDC. Nous demandons au président de l'Assemblée nationale d'abord de retirer cette décision-là, parce que c'est bien lui le législateur, il doit retirer cette décision. La structure qui nous gère, avec nous, trouver un cadre de concertation dans lequel nous devons voir dans quelle mesure améliorer et en même temps, l'Assemblée nationale s'active à revisiter ou bien à réviser cette loi-là.